Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nils et c'est parti pour un nouvel épisode du Lab as Code. Alors, qu'est-ce que c'est que le Lab as Code? Comme à chaque début de vidéo sur le sujet, je réintroduis justement le sujet. L'idée, c'est de se faire une maquette de type Home Lab réseau et de le faire avec des outils d'infrastructure as code. Donc en l'occurrence principalement du Terraform, du CloudInit et bientôt je l'espère de l'Ansible. J'espère que vous allez bien et que vous êtes emballés pour ce nouvel épisode. Moi je le suis en tout cas. Et j'espère que on s'amusera bien et qu'on arrivera à des trucs intéressants. Alors, en parlant de trucs intéressants, alors est-ce qu'il y a déjà du monde? Hop. Oh ben, on a eu un follow il y a 40 minutes de Jeanne Pacou. Merci à toi. C'est très gentil. Merci pour le follow. Alors. On va juste faire quelques vérifs a priori. Hop, si on enlève certains onglets de navigateur, ça évitera que je m'entende et que ça fasse de l'écho. Et a priori, ça c'est bon. Ensuite, est-ce que j'ai bien le chat? Hop, j'ai le chat sous les yeux. Ça c'est bon. Et ensuite, il me manque encore un truc que j'oublie tout le temps de lancer pour ces épisodes du Lab as Code. C'est le schéma. Allons-y. Pourquoi le schéma? Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir le schéma? Ben, c'est justement pour savoir où est-ce qu'on va. Et qu'elle pourra montrer un peu plus facilement l'objectif. Le voici, le voilà. Hop. Et bien entendu, il va falloir que je vous le montre. Et pour cela, hop. On va passer comme ça. Voilà. Bien, donc voici un peu le schéma d'origine. Où en gros l'idée c'est donc d'avoir des connexions, en fait, enfin des connexions. D'avoir en gros d'essayer de maqueter entre guillemets une partie d'Internet. Donc on a 6 routeurs qui vont en fait désigner 6 fournisseurs d'accès. 6 fournisseurs d'accès à Internet, donc qui sont notés de ISP1 à ISP6, et puis ils sont interconnectés ensemble. Enfin, il y a une petite boucle, hein, ils sont pas tous connectés à tous les autres. Et puis on va mettre au fur et à mesure du temps des services de part et d'autre sur chacun de ces fournisseurs. Et l'idée, c'est de pouvoir instancier ce labo sur une machine. Alors pour le moment, c'est fait sur ma machine locale, celle qui me sert à streamer. Mais j'espère pouvoir le mettre sur une machine dédiée. Et donc, ce que j'espère aussi, c'est que, comme ça, quand j'aurai besoin de faire des modifications ou de faire des essais, par exemple, qu'est-ce qui se passe si un site internet, enfin, si par exemple une liaison entre deux fournisseurs d'accès est rompue, comment le trafic se redistribue, par exemple. Qu'est-ce qui se passe si jamais, ça faisait partie des choses que je crois que j'avais évoquées justement la semaine dernière, qu'est-ce qui se passe si jamais un des fournisseurs d'accès se met à annoncer les réseaux d'un autre? Ça peut être l'occasion justement de maqueter tout ça. Et en fait, l'idée, c'est que pour le moment, je crois qu'on a fait les 6 routeurs, qu'on a fait justement les deux serveurs DNS ainsi que ici les petits serveurs virtuels. Ainsi que celui-là. Et en fait, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est de la machine virtuelle et des réseaux virtuels en utilisant libvirt et KVM. Alors pour le moment, hop, pour le moment, il n'y a pas de VM, enfin, pas de VM lancée, pas de VM créée d'ailleurs, et on va justement
se remettre là où on en était, puisqu'en plus on avait eu un petit souci en fin de... on avait remarqué un petit souci, et je vais revenir dessus très bientôt. Alors... ce qu'on va pouvoir faire... c'est commencer par... alors, comme la semaine dernière, j'essaye de garder les bonnes habitudes en mode on essaye de faire en sorte que tout soit, soit sous Git. Donc a priori, le répertoire, tout a été commit, tout a été poussé. L'occasion d'ailleurs de signaler que vous pouvez suivre le développement, entre guillemets, de ce Homelab as code sur ma page hop, GitHub du projet, que je vais vous mettre dans le chat. Et bien entendu, tout ça va aussi aller sur le chat Discord de la chaîne, qui est dispo là, là à côté. Et on va aller mettre ça tout de suite d'ailleurs dans les liens du live. Hop. Ensuite, donc... hop là. On est dans le répertoire Terraform. Hop, un petit Terraform init, tout va bien. Bon, par précaution, on va faire un validate, mais normalement, on est bon. Voilà, la config est valide. Et maintenant, on fait un apply. On fait un plan. Tiens, plan. On sera sans doute le seul de la soirée. Voilà. Donc là, il est content. Il veut m'ajouter 66 changements. Enfin, 66 trucs. Hop. Et ensuite, allons-y. On apply. Terraform apply. Hop. Ah, yes. Hop là. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait du... hop, le voici, le voilà. Donc on commence à avoir les premiers routeurs qui viennent. Et en fait, une fois que ces routeurs seront à peu près configurés, eh bien, les autres routeurs et les machines virtuelles vont commencer à arriver. Donc, on va espérer que ça se passe bien. On va y aller tranquillement de toute façon. Alors, tiens, ça va être l'occasion. Je vais aller me mettre dans un autre onglet de terminal. Et on va faire un petit vim-p. On va récupérer tous les ISP compute. Tiens, on va expliquer un peu. Salut à toi, Karkan. Hop, ISP étoile compute. Ça m'a l'air pas mal, ça. Voilà. Alors, la question que je me pose, c'est à quel moment est-ce que ma machine va manquer de RAM aussi? Parce qu'on avait vu la semaine dernière que ça commençait à devenir juste. Pour le moment, j'ai la moitié de ma RAM qui est occupée. Donc je suis à 8 Go sur 16, à peu près. Hop, où est-ce qu'il en est, lui? On a juste deux routeurs. On a un DNS, mais il n'y a pas le deuxième DNS. Ah, il n'y a pas l'autre DNS, tiens, pour le moment. Ah, si, ça y est, le voilà. Alors, Karkan, je sais pas si tu es un habitué. Enfin, un habitué. Non, tu es déjà venu. Sinon, il y aurait écrit First Time Chat. Donc, tu as une petite idée un peu d'où on est, où on en est. Ou est-ce que tu as besoin de, d'un petit rappel? Là, on est en soirée lab as code. Et j'ai oublié d'ouvrir la gourde. Et j'ai oublié de prendre une... j'ai oublié de prendre une paille. J'avais remarqué que c'était plus pratique pour boire la paille. Ça évitait de soulever la bouteille et que vous ayez la bouteille en gros plan. Alors bon, bah du coup... bouteille en gros plan. Heureusement, c'est que de l'eau. Hein. Donc, tu te rattaches au train en marche. Pas de soucis. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de petit train en ligne de commande dans le coin.
Alors, ça avance tranquillement. La question c'est, est-ce que ça avance? On va se mettre ici. Si je fais un petit sudo vir/sh list, j'ai la même chose en ligne de commande. Et si je fais un petit console sur lui, l'ISP1 DNS1. Ok. RPM-Q. Qu'est-ce que je lui installe en Git Core, je crois. Package Git Core is not installed. Il n'a pas la bonne IP, donc à mon avis, Cloud Init, soit il s'est barré un peu vite. Remarque, non, il est censé me dire si Cloud Init s'est gouffré, ou alors il s'est pas encore lancé. Ce qui est quand même assez ennuyeux. Je pense qu'il s'est planté un peu vite, le Cloud Init. Oh, tiens, 87% de RAM occupé. Alors je vous le montre pas particulièrement, mais en gros j'ai sur un deuxième écran, je vois un peu les infos. Hop là, reviens comme ça toi. Hop là. De cette façon, je garde un œil. Alors bien entendu, le CPU il est à fond, très à fond. Ah bah tiens, hop, voilà Cloud Init. Et justement, je me demande si dans les prochains épisodes, on va pas déplacer un peu ce home lab Ascode sur une autre machine. Justement sur la machine historique de mon home lab réseau. Ok, il installe tout, donc ça c'est plutôt chouette. Ce que je me dis, c'est que où est-ce qu'il en est là? Est-ce que les autres VM sont déjà... Ouais. Donc à mon avis, les autres doivent pas être en très bon état. Si je viens ici et que je fais un sudo vir/sh console et que je prends bah, le ISP6 VPS1, tiens, hop. Et là, voilà, il me dit failed unit. Il est en train de lancer son cloud init. Alors qu'en fait, le DNS1, il n'a même pas fini. Et en gros, l'une des difficultés qu'on a eues, c'est parce que j'ai donc un certain nombre de routeurs. Alors je vais peut-être montrer ça peut-être plus facilement à l'écran si je fais un petit vir/sh list, comme ça. Et là, on voit qu'on a donc deux routeurs ici, on a quatre autres là. Donc, on a un total de six routeurs. Si je remets le schéma, ce sera peut-être même mieux. Et en fait, quand on fait une dépendance avec Terraform, la dépendance, elle est résolue à partir du moment où la VM est up. Sauf que quand la VM est up, ça veut dire qu'elle est en train de booter. Ça ne veut pas forcément dire que tous les services qu'elle va fournir sont en fonctionnement. Donc c'est un peu ennuyeux, c'est même très ennuyeux quand bah, par exemple le routeur vient juste de démarrer et que ben il n'a pas fini de se paramétrer. Puisque il faut le temps qu'il démarre, qu'il fasse un peu de détection au niveau des cartes réseau, et ça on a vu que ça prenait du temps. Et qu'ensuite le fichier de configuration Cloud Init soit pris en compte, appliqué, et donc que les services fonctionnent. Donc notamment le routage, le NAT, dans certains cas de figure, bah, un serveur DHCP aussi. Et donc tout ça, eh ben, ça prend du temps. Et pour le moment, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de dire à Terraform, quand tu veux instancier telle VM, tu dois attendre tant de temps après avoir instancié l'autre VM. Donc pour le moment, on en est à un point où, oups là, pardon le micro. Pour le moment, on en est à un point où, genre, il faut que j'attende une minute après le démarrage du routeur, par exemple celui-là, l'ISP1, pour que la machine DNS1 démarre. Et ça, c'est ennuyeux. Parce que si je n'ai pas mes deux DNS, si je n'ai pas mes deux DNS, et ben justement, ces machines-là, là, ces machines ISP-là, et puis on en a mis derrière aussi les autres ISP, les autres routeurs, et pour vérifier le fonctionnement je dirais, de ces parties réseau-là, eh bien, ces machines-là, elles ne peuvent pas se paramétrer.
puisque parmi les paramétrages qu'on a, on a justement de l'installation de logiciels, par exemple. Donc ça peut être un peu ennuyeux. Et donc, ça c'est la qualité spécifique. Enfin, il a fini par installer LSOF. Ok. Bien, bien, bien. Est-ce que... Donc a priori, là, tout est lancé. Voilà. Il m'a bien dit apply complete côté Terraform. Donc on va voir s'il a à peu près fait son job dans le ISP1 DNS1. Si je fais un petit sudo htop. Comment on va faire ? Sudo systemctl. Hop. Grep, alors je crois que c'est DNS mask. Ok, il est lancé. Ok, c'est cool. Si je viens ici et que je fais un petit resolve CTL, il me dit quoi? Il me dit le bon. Ça, c'est cool. Alors, il a installé ifttop, il a installé gitcore, il a installé l'SOF, il a installé git. Ça a l'air plutôt bon. Ça a l'air plutôt bon. Hop. Alors d'ailleurs, je suis même pas obligé de faire ça. Je peux faire comme ça, petit raccourci clavier. Donc, on va aller regarder sur le 5. Ici, il me dit qu'il y a, il y a le cloud final qui est pas content. Si je dis, est-ce que LSOF est installé? Package not installed. Bon, donc lui, par exemple, il a démarré trop tôt, entre guillemets. Si je regarde le 4. Hop, on va faire pareil, on va juste vérifier si le package LSOF est installé, mais à mon avis, voilà, c'est pas le cas. Et on va regarder ISP3. Hop, lui il est installé. Oups, déjà. Bon allez, je vais me reloguer dessus, on sait jamais. Donc l'ISP3, on est bon. Enfin, on est bon. Non, je sais plus. Ouais, il est installé, mais bon. C'est pas ouf, tout ça. C'est pas ouf. Alors, si je regarde, si je descends, là, on a quoi? On a les metadata, ok. Donc, le routeur démarre. J'ai le fichier, la partie cloud init, les parties réseau, ok, enfin les interfaces, la console, jusque-là tout va bien. Et ensuite j'ai deux time slip. Ouais, je l'avais monté à 90 secondes. Donc en théorie, le ISP1 VPS1, ouais, il dépend à 30 secondes. Ah, faudrait que je le. Il faudrait sans doute que je le... Alors, j'ai pas envie d'augmenter non plus sans cesse les temps de... les temps d'attente. A priori, lui, il a le VPS1, il attend... 30 secondes, il attend 30 secondes après que le DNS1 ait démarré. Qui du coup, le DNS1, lui, va très certainement attendre 90 secondes après le démarrage du routeur, même s'il y a écrit slip 60 secondes. Ça, c'est parce que j'ai mal fait mes titres. Ça peut être une occasion de les retaper. On va peut-être commencer par ça, d'ailleurs. On va retaper les titres. Enfin, les noms des ressources. Un grep
tac, dans étoile.tf. Et juste ça? Sérieux? Ah oui, parce que j'ai le Terraform TS State. Mais j'ai que dans le ESP1 Compute. C'est chelou cette affaire. Ah oui, parce que j'ai un ESP2. Ok. Alors, il y a un truc qui me chiffonne là. Hop là. Je n'ai pas fait mon routeur 1. Je l'ai pas fait dépendre du. Mon routeur 1 de l'ISP2, je l'ai pas fait dépendre. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Alors, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est que. On va. Bon, on va faire un Terraform Destroy déjà. Auto-approve. Hop, voilà. Donc là, il fait le ménage par le vide. Il détruit tout. Ensuite, on s'assure que ça, ça nous gêne pas. Alors le TF state, ça va, c'est pas gênant s'il y a ça dedans. Ce sera modifié après. On va mettre ça de façon un peu 2.s. On va lui dire que ça, on va le remplacer par on va faire wait plutôt. Wait for ISP1 router 1. Ça, ça m'a l'air pas mal. Ça, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Ensuite, on a le deuxième. Hop, il est où? Hop. Celui-ci qui est le ISP sleep 30 secondes. On va lui dire que lui c'est wait for ISP1 DNS1. Voilà. Donc ça, ça m'a l'air pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on va prendre ce truc-là. On va le copier. Et on va aller regarder dans les ISP. Tiens, ISP2. Alors l'ISP2, on n'a peut-être pas besoin, mais l'ISP3... Non, l'ISP6 déjà. L'ISP6, rien que le routeur. Voilà. Ah, pourtant, il a le ISP1, slip 30 secondes. Bon, voilà. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. On va aller faire ce truc-là. ISP2, routeur 1. Non. 6. Et lui, pourtant, il a déjà un ISP1, slip 30 secondes. C'est dingue, ça. Ça se demandait comment ça se fait que... mais du coup, en dessous, le VPS, il y a un ISP6. Et le VPS attend du routeur. Ouais, non, mais jusque-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Donc, il avait l'air OK. Le 5, on va les vérifier. Le 5, c'est pareil, il avait le slip 30 secondes. Oups. Hop, on va le mettre ici. Donc, lui, le routeur là, il est bon. Normalement, ensuite, j'ai une ressource qui est en attente pour le routeur, oui. Donc, le. Est-ce qu'il faudrait pas que je le refasse à chaque fois 90 secondes?
peut-être ça. On va mettre déjà 75, je pense. D'ailleurs, je vais aller ici aussi et... D'ailleurs, en fait, je vais carrément faire... au lieu de ISP6, slip 60, hop, on va faire wait for... on a dit ISP6 router 1. Voilà. Et lui, on va faire pareil. Donc, on va lui dire que au lieu de ça, wait for... Et on a dit ISP5 router 1. Hop. Ça, c'est bon. Lui, l'ISP4, alors vu qu'il est plutôt... si je reprends mon schéma, vu qu'il est plutôt par là, on va peut-être lui dire d'attendre ISP2. Oui, je mets des arrobas à la place des slash, Karkan. Ça marche pareil. C'est génial. C'est, pour moi, c'est ultra pratique. Et là, tu es en train de te dire, mais déjà d'une, comment ça se fait qu'on peut mettre des arrobas? Alors en fait, tu peux utiliser, je crois, presque n'importe quel caractère, si je dis pas de bêtises. Mais me crois pas sur parole. Mais en gros, l'idée, c'est que ça m'était arrivé pendant un moment de faire beaucoup de remplacements, soit directement dans Vim, soit avec Sed, de chemin qui contenait des slash. Alors bien entendu, les slash, tu peux les échapper avec le caractère anti-slash, mais ça, comment dire, ça aide pas à la bonne compréhension. Et si tu mets arrobase comme caractère de contrôle, enfin de contrôle en tout cas, qui permet de te séparer comme ça pour le remplacement, et ben en fait, t'as plus besoin d'échapper tant que tu n'as pas des arrobases. Et en fait, à partir du moment où tu, entre guillemets, où tu jongles entre deux caractères, si jamais j'avais des arrobases, bah, je passerais à des slash. Si jamais j'avais des slash, j'utiliserais des arrobases. Et si un jour j'ai les deux, bah, je prendrais un autre caractère. Je sais pas moi, pourcent, peut-être pas dièse parce que c'est souvent un commentaire. Mais ouais, c'est carrément possible. En tout cas, t'as le coup d'œil. Bravo. Donc, lui aussi, là, hop, on va lui mettre 75 secondes. Et, Tiens, je vais essayer avec le symbole pourcent, tiens, on va voir si ça passe. Si je lui dis de me remplacer, hop, ça, voilà, par... on dit wait for hop ISP4 router 1 pourcent G. Ouais, ça passe. Voilà, le caractère pourcent, ça passe aussi. Hop. Hop, l'ISP3. Remarque, qu'est-ce que je voulais faire à la base? Si je voulais que le routeur, hop, lui là, le routeur, il est où? Parce que c'est ça que je aussi que je mets. Ah là, typiquement, le routeur 2, ça c'est normal. Et le routeur 3, il est où? Hop, il est là. Et le routeur 3, lui, bah oui, c'est pareil, il est en slip 30 secondes. Faut que je revienne ici. Donc c'est le routeur... Ah oui, c'est le routeur 6 où j'avais mis wait for ISP. Alors je vais peut-être aller chercher au niveau du 2. Ils sont où les slips? Hop. Voilà. Donc. Wait for. On a dit ISP2 router 1. Voilà. Et on va lui mettre 75 secondes tout de suite. Hop. Il n'a pas de VPS, lui. Non, il n'a pas de VPS, donc il n'a pas d'attente sur le DNS. Par contre, ce qu'on va peut-être faire quand même, c'est justement... On va
On va prendre ça. Hop, voilà. On va le copier là, on va le coller là. Et lui, ce sera un wait for ISP2 DNS1. Voilà, 30 secondes. On va le mettre là. Alors, il n'y aura normalement pas de VPS côté ISP2, mais on pourra toujours faire dépendre d'autres routeurs de cet ISP-là, de ce DNS-là. D'ailleurs, ce qu'on va faire tout de suite, c'est de côté 3, justement, je voulais faire ici, et donc, on va faire 2.100s, et on va dire qu'on remplace tout ce qui est... Mince, je l'ai paumé. C'est pour ça que je voulais là. Donc tout ce qui est ISP1 slip 30 secondes. Hop. Et lui, on va le remplacer par wait for ISP2 DNS1. Voilà. Le 4, bah, ça va être un peu la même chose. Parce que là, on a l'attente pour le routeur. On a le VPS et le routeur, lui, on va vouloir le faire attendre, justement. Hop, wait for. Et on a dit ISP2 DNS1. Le 5, on a dit que le routeur, il allait attendre le DNS1. Ça, c'est bon. Donc en fait, je pense que j'ai des, je pense que j'avais des routeurs qui démarraient trop vite. Ok. On va voir si 75 secondes ça suffit. Allez. Et là, au lieu d'un destroy, je vais faire un apply. Ah, déjà j'ai un problème. Ok, où est-ce que je me suis trompé? Ligne 96 sur le ISP6. Hop. Où est-ce que je me suis trompé dans les ressources d'attente? Ah oui, c'est parce que j'ai oublié de mettre le nombre de secondes. Petite typo. Hop, voilà. Allez, c'est reparti. On va faire un validate, tiens, dans le doute. Ok, on est bon. Allez, c'est reparti. Voilà. Alors, je remontre ça, donc là pour l'instant pas de... Alors du coup par contre ce qui va se passer c'est que mon lab va mettre un petit peu plus de temps à démarrer. J'espère que 75 secondes, ça va suffire. Mais je pense que ça, je pense qu'on a vu des choses là qui étaient intéressantes. Il me manquait des attentes en fait. Il y a des trucs qui démarraient un peu vite. Donc là, on a les routeurs. Donc ça attend, je crois, 90 secondes. Peut-être même que 60 côté routeur, côté ISP2. Voilà. Non, j'ai mis 75 secondes. Donc normalement, on va avoir l'ISP2 DNS1 qui va démarrer en premier, en fait. Donc là, on devrait avoir un ISP2 DNS1 qui va démarrer avant. C'est pour ça qu'il démarrait avant, en fait. J'avais pas tout changé comme il faut. Alors. Voilà, l'ISP2 DNS1. Donc ça veut dire qu'on a passé les 75 secondes, et quand l'ISP1 DNS1 va démarrer, ça veut dire qu'on aura passé les 90 secondes après le démarrage de l'ISP1 routeur 1. Et 75 à 90, voilà, ça va pas énormément long, ça va. Et donc normalement, maintenant que ces deux-là ont démarré, on va avoir 3, 4 et 5, non, 3 et 4, et puis ensuite... On va avoir 5 et 6. Voilà, on a 3 et 4 qui démarrent. Alors pour le coup, j'aurais peut-être dû faire dépendre le 4 du 3. Hop, 5 et 6.
Et là, ça chauffe au niveau CPU. Je suis à 90% d'utilisation sur tous les CPU. Enfin, tous les cœurs, tous les threads. Là, je vais en profiter pour vous montrer ça. Hop là. Hop. Voilà. Là, ça chauffe. Là, ça chauffe. On peut peut-être même le voir plutôt en faisant un H-top. Bon, alors là, forcément, voilà. De 1 à 8, c'est... Oh, tiens, ils sont passés à 25% ceux-là. Et on est par contre à... Voilà. On est aux 2 tiers de la RAM. On est à presque à 10G sur 16. Et ça commence gentiment... Enfin, gentiment. À swapper. 2 gigs de swap. Sur 12. J'avais 12... J'ai 12 gigs de swap sur ma machine. Bon, j'ai trop de swap. Faudra que je réduise. Ah, j'ai peut-être c'est à cause de je pense que c'est à cause de ZRAM ou de ZSwap. Hop, ma swap elle est où, ma swap, voilà, ça elle fait 4 gigas et j'ai un ZRAM qui en fait 8. Qui fait donc la moitié de ma mémoire. Ok. Ok. Bien. Pendant ce temps, là, il a fini. Il a fini. Ma machine travaille tout ce qu'elle sait. Tout est là. Et ben maintenant, on va pouvoir revérifier. Donc... Si je reviens ici, ISP1 DNS1. Hop. Ah, il a pas fini. Ou peut-être que si. Non, il a pas fini. Donc si ça se trouve 30 secondes après les DNS, c'est peut-être un peu léger. Je crois que j'avais mis 30 secondes après les DNS. Ouais, 30 secondes. Il faudra peut-être mettre une minute. On va peut-être mettre une minute. Je suis un peu trop impatient. Et surtout que là, j'ai pas vraiment de... comment dire, je peux pas essayer de trouver une condition qui soit... Là, il va falloir que je joue avec les temps. Et en fait, en gros, je pense que l'idée, ça va être d'avoir vraiment une config minimale du côté de Cloud Init. D'ailleurs, il faut que je rajoute des clés SSH un peu partout. Et après, on sera... Faudra rester à peu près sur ces temps-là, ou alors les... Non, pas les modifier, ce serait un peu embêtant. Ah là là. Ça va être dur à doser, je pense. Ça va être dur à doser. Parce que là, le DNS 1, il n'a pas fini. Donc si je prends ici, et que je regarde le ISP 6, VPS 1, alors lui doit être... installé, et pour l'instant il a juste son IP DHCP, il n'a pas encore eu son IP fixe, puisque au niveau de Cloud Init je force l'utilisation d'une IP fixe. Donc Cloud Init prend un peu son temps, il faut l'avouer. Là on a quoi, on a les host keys. Ok, ouais, c'est parce qu'il génère les host keys à chaque fois. Alors, tiens, il a réussi à l'installer. Là, je suis sur le ISP6 VPS1. Si je viens ici, là, je suis sur le. Oui, c'est vrai qu'il a fait le DNS mask. Donc a priori l'ISP6 VPS, enfin l'ISP1 DNS1 a pu démarrer après il a pu faire sa conf DNS mask avant que l'autre aille chercher des packages, donc il y ait besoin du DNS, puisque si je reprends le schéma, on est ici.
Donc, lui, là, il vient de finir de configurer son DNS, sauf que à ce niveau-là, il y a lui qui a besoin de ce DNS-là. Je pense que 30 secondes, c'est un peu juste. Je vais peut-être passer à 45 secondes. J'ai quitté? Ah, j'ai quitté le. Hop, voilà, donc 45 secondes. Ici, on va faire pareil, on va mettre 45 secondes. On va vérifier. L'ISP3, il attend le routeur attend le DNS de l'ISP2. Ok. Lui, là, il sait. Hop. L'ISP4, il attend pour le DNS2. Ok. L'ISP5, il attend le DNS1. L'ISP6. ISP6. VPS1, il attend le routeur 1. Ça, c'est normal. Et le routeur 1, il attend le DNS1. Donc jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Donc lui, si je fais un système sudo, alors sudo, système ctl status DNS mask. Donc là, a priori, le DNS mask, il marche. Ça, c'est cool. Lui, si je fais un ping linuxfr.org, ça passe. Non seulement il résout, mais en plus, il sort sur Internet. Si je vais chercher ISP, on va prendre ISP4, tiens, hop là. Ah, lui, il n'a pas fini, on dirait. Non, il n'est pas installé. Par contre, si je fais un ping de linuxfr.org, à mon avis, ça passe. Maintenant, ouais, ça passe. Donc voilà, c'est ça le truc, c'est que le package est enfin l'installation du package est arrivée trop vite. D'ailleurs, la question c'est resolve CTL. Il est en 10.1. Il est en 10.1, donc. Donc, ça veut dire que. Ouais, alors que je lui faisais attendre le 10.2. Ouais, non. On va changer ça. Alors, pour changer ça, on va aller ici. On va aller dans Cloud Init. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit vim-p de ISP étoile VPS étoile slash étoile. J'ai dit étoile. Hop, t'es là. User-data. Donc là, ça, c'est l'ISP1. Donc, DNS1, jusque-là, tout va bien. Le 2. Hop, le 2. Ah non, ça c'est le 3. Ça c'est le 3. Et ben le 3, on va lui mettre le 2 ici. Alors pour le moment, je vais changer ça. Mais je ne serais pas contre essayer d'avoir justement une IP flottante, une IP virtuelle entre les deux DNS. Lui aussi, ça va être le 2. Ça, c'est le VPS3 de l'ISP3. Hop, donc là, ça va être pareil. Alors, je pourrais faire un petit cède, hein, honnêtement. Hop, lui, c'est le 4. Donc, le 4, il va aussi prendre le 2. Voilà. Lui, c'est le 5, donc il va rester sur le 1. Et le 6, il va rester sur le 1. Donc, jusque-là, tout va bien. Et ils ont juste ifttop lsof gitcore à installer. Ça m'a l'air pas mal, sauf les DNS, mais les DNS sont pas dans les fichiers que je viens d'éditer. Bon, bah on va re. Alors peut-être qu'avant de tout recasser, je vais peut-être en profiter pour un truc. Qu'est-ce que j'en ai fait de ces fichiers-là? Voilà, ici. Ce que je suis en train de me dire, c'est que je vais peut-être en profiter
pour voir, vu que j'ai un utilisateur là que j'ai appelé Nils d'ailleurs, qu'il faudra peut-être un moment que je renomme. Ce que je voudrais faire, c'est créer une clé SSH et la lui donner. Donc ce qu'on va faire, on va se poser là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un SSH keygen. Hop, petit moment help. Alors pourquoi un petit moment help? C'est juste pour me rafraîchir aussi la mémoire. Alors on va faire un moins T. On va faire un ED25519. Hop. Et on va faire, je crois que c'est moins F hein, pour le moins F input key file. Moins F. Et on va l'appeler HomeLab. ID HomeLab. Pas de passphrase. Voilà. Hop. Salut à toi, MC4. Bienvenue. Et merci pour le follow. Alors. Ah, il y a un petit peu de monde ce soir d'ailleurs. Ah, vous êtes 11. C'est cool. Alors, une fois que. Une fois qu'on a notre petite clé SSH. Hop, elle est là. Alors, honnêtement, encore une fois, c'est un lab. Enfin, encore une fois. Je sais que ça m'arrive des fois de montrer des choses. Là, je vais vous montrer une clé privée SSH. Je ne vais pas m'en servir autrement que dans l'objet de ce lab. Donc, je vous montre la privée, je vous montre la publique. De toute façon, ça va finir dans le repo, hein, que les choses soient très claires. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever... J'ai oublié de paramétrer ça. Hop, on va mettre ici. On va faire Nils at home lab. Hop là. Ça, c'est juste un commentaire. Ça n'a pas de... On va virer le machin tilde. Hop. Donc voilà. Allez, même pour la blague, je vous le remontre à nouveau. Hop, on a ça. Et on a ça. Donc, ce qui pourrait être cool, maintenant, c'est que je mette... Alors, MC4, c'est pas un problème. Parce que cette clé privée, elle a un but, et je vais te le montrer tout de suite. Le but, c'est que cette clé privée, elle finisse sur cette machine-là. Sur ce ISP1 VPS1. Et que depuis ce ISP1 VPS1, j'accède à tout le reste. Que ce soit les DNS qui sont là, tous les VPS là qui sont là. Et d'ailleurs, j'ai pas mis dans le schéma ceux que j'ai mis là pour le moment. Tiens, d'ailleurs, je vais le rajouter. Comme ça, au moins, ce sera fait. Hop. Tac. Mais en gros, cette clé-là, elle va servir juste au lab. De façon à ce que si quelqu'un décide de lancer son propre lab en clonant mon repo, alors modulo le petit souci avec l'image iOS qu'il faudrait que je résolve. Hop. Mais grosso modo l'idée ça va être que quelqu'un qui se crée une instance de ce home lab puisse venir se connecter facilement sur tous les équipements. Parce que là depuis tout à l'heure, là, je suis obligé de me connecter 1-1-1 et de taper Nils et password. Parce que oui, le mot de passe à l'intérieur, ici, c'est password. Hein. C'est pareil, c'est un lab, on m'en fiche. Bien sûr, si c'était sur Internet, si c'était sur de l'infra, sur du truc un peu plus, on va dire, pas privé, personnel, enfin, je sais pas trop comment dire, mais typiquement, le serveur web qui aujourd'hui sert mon site perso, anotherhomepage.org, non, je vais pas mettre cette clé-là. C'est une autre clé, je vous la montrerai pas, mais très clairement, les droits sont pas les mêmes. Et je vais pas les donner à tout le monde. Je vais pas les donner à qui que ce soit, d'ailleurs. Mais donc voilà, là on est sur un lab, le truc, y a pas de raison qu'on le branche sur Internet. Encore qu'on pourrait peut-être le faire un jour, mais dans ce cas-là, j'en assumerai les conséquences. Et si quelqu'un...
au moment où genre je branche, je sais pas moi, peut-être ce VPS-là, entre guillemets, sur Internet, entre guillemets, si je le fais et que pendant les 5 minutes où il est branché, le mec ou la nana d'ailleurs, avait récupéré ma clé privée et se connecte dessus, bon, c'est peu probable. Pareil, en même temps, j'ai mis password partout et j'ai laissé VIOS sur les routeurs. Bon, c'est du lab. Ça n'a pas vocation à finir en prod. En tout cas, pas au niveau des mots de passe. Bien. Après cette interlude sur les clés SSH, j'étais en train de me dire, ouais, comment on fait déjà dans Cloud Init. Hop, Cloud Init documentation. Allez, on va aller chercher ça. Avec le, en écrivant correctement documentation, ça peut être pas mal, non? Qu'est-ce que vous en dites? Hop là. Hop, voilà. Alors, je crois qu'on a des modules. Modules. Ah oui, ça c'est pour créer des modules. User data format, cloud config example. Donc, on a des passwords. Ok, SSH authorize key. Ok, super. Donc déjà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir les mettre du SSH Authorize Key partout. Hop là, ok. Alors lui, on va lui laisser... je vais peut-être lui mettre... Bon, non, a priori, pas besoin. Lui, c'est quoi? ISP3... Alors... Il est où? Il est où le password? Il est là. Hop. Donc on peut rajouter ça et dire, au fait, ça c'est la clé. Hop. Alors comment ils ont mis dans la doc? Il faut que je fasse ça et que je... Ah oui, que je descende. Hop. Une petite indentation, je suppose. Voilà. On est obligé de mettre le commentaire à la fin ou pas? Alors, ils le mettent. Donc dans le doute, laissons-le. Voilà. Donc déjà, ici à ce niveau-là, je peux faire ça. On va revenir ici. Que j'ai oublié de sauvegarder certains fichiers, je vais revenir dessus. Hop, alors lui, c'était le 1. Ok. Alors, lui par contre, si elle est dans le doute, on va lui mettre, même si de toute façon il va avoir tout ce qu'il faut. Par contre, il faut que je crée. Ah, là, de toute façon j'ai des write files. Tiens, je vais aller le. Alors, content. On va faire hop, pipe. Et on va aller prendre, hop, tout ça. Si je fais un WC-L sur ID Home Lab, il me dit 3 lignes. Hein. Ah, il me dit 8. Donc c'est bon, il les a mis une par une. 6, 7, 8, ouais, effectivement. Ok. Donc ça, on l'a. Ensuite, et ben on va lui dire owner, permission, passe. Hop.
Donc owner, bah, ce sera Nils, 2.Nils. Hop. Voilà. Permission. Alors, une clé SSH. Une clé SSH, les permissions sont 600 sur la clé privée. Hop. Voilà, et le chemin, du coup, home, nils.ssh, id, bah on va lui mettre id ED25519, puisque du coup, ça fait le format par défaut, si je dis pas de bêtises. Ouais, puisque les autres sont ok. Ça, ça devrait être bon. Par contre, le point SSH, est-ce que sur le chemin, je peux dire, au fait, va créer. Remarque, s'il met la clé, s'il met la clé, s'il met la clé publique, ça devrait le faire. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a moyen de regarder dans la doc quand il crée des quand il crée des fichiers, voilà, créer des fichiers arbitraires. Content, ouais, ok, passe. Alors, write files. Alors, exemple. Hein, les permissions. Ok, est-ce qu'il dit à un moment, vas-y, crée-moi le... Il y a un defer. Ça veut dire quoi? Ah, j'ai pas plus de... Ok. Alors, le chemin, le contenu, le... Ok, permission, encoding. Donc bon, ça, on va pas s'embêter, puisque TextPlain, ça marche. Append, bon, ça, on va éviter. Et defer writing to the final stage after users were created and packages were installed. Oui, on va faire un defer à yes. On va faire un defer à yes. On va faire un defer à yes. Comme ça, le... ah, true. On va faire un defer à true pour une raison très simple. C'est que, en fait, si il crée les fichiers avant... les utilisateurs, c'est un peu ennuyeux. Donc comme ça, au moins, une fois que l'utilisateur aura été créé, d'ailleurs, le point SSH aura été créé. Et ça, ça m'intéresse. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour copier encore une fois. Alors, on va faire 2.tabnew. Hop là. Ouais, non, on va pas s'embêter la vie. On va faire. Voilà. Hop. On va faire ça. Et on va éditer aussi ISP1 VPS1 slash user data. Hop, voilà. Donc on est là. On va pas s'embêter la vie. On va faire ça. Hop. On revient ici. On revient là. Hop. Emballé, c'est pesé. Donc en théorie, là maintenant, si... Alors je vais pouvoir peut-être... je vais garder pour l'instant les fichiers de clés. Non, pas dans Cloud Init, Terraform. Donc normalement, j'ai toujours tout mon petit monde là. Ok, allons-y. Destroy. Donc on détruit tout. Ah, et donc il y a un souci. Ok. Donc il dit quoi? Il dit que sur isp4compute.tf, ligne 44, wait for isp2d. Ah oui, il manque le 1. alors il a dit. Hop là. Voilà. Hop, et voilà, destruction en cours.
Donc, on va pouvoir maintenant recréer notre, notre home lab. C'est juste quoi, la troisième, quatrième fois de la soirée? D'où l'intérêt en fait. C'est-à-dire que là, vous voyez, on jittère très régulièrement mon home lab. Et la création va prendre quelques minutes, tout au plus. Sur la génération précédente de mon home lab, j'avais mis, entre guillemets, des heures à vouloir tout configurer proprement. Et même si j'ai mis encore des heures ici pour tout mettre, bah, je peux détruire et recréer à loisir. Et si jamais je veux faire une modif et tout refaire, et ben je peux. Alors qu'on avait eu un petit souci dans mon précédent home lab. Dont le schéma n'était pas le même d'ailleurs. Et en fait, sur le précédent home lab, le souci que j'avais à un moment, c'est que j'ai fait quelques modifs sur un firewall et j'ai jamais réussi à revenir en arrière en fait. J'avais toujours des petits soucis après. Donc c'était un peu ennuyeux. Où est-ce qu'il en est? Donc il a démarré les deux routeurs. Donc il attend d'un côté, il attend de l'autre. Alors, 1 minute 10. Donc là, normalement, ça doit commencer à... Voilà, il commence à popper un DNS. Voilà, il le crée. Alors, donc là on a le DNS 1 qui a été créé, donc ensuite à un moment on va avoir le VPS 1 qui va être créé, ça va être intéressant. Hop. Alors déjà le DNS 1, où est-ce qu'il en est? Ah, il y a les trois, il y a les routeurs là qui commencent à démarrer. Hop. Et le ISP1 VPS1 qui démarre. Ok, cool. Et là par contre. Alors, une fois qu'il aura terminé son petit démarrage, lui. Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va aller tout de suite se mettre là. Et ensuite, on va aller regarder où est-ce qu'il en est le VPS 1, le ISP1 VPS 1. Pour le moment, il n'affiche rien de palpitant sur la console. Et lui, par contre, il est en train de mettre à jour les repos, donc il va pas tarder à installer des packages. Ça, c'est cool. Pendant ce temps... Que se passe-t-il ici? Toujours rien. Et lui, il est encore en train de faire la mise à jour des repos. Ok. Alors ce que je me demandais à un moment, c'est est-ce que ça valait pas le coup de lancer une mise à jour des, de la distrib? Hey, salut Manon! Est-ce que ça valait pas le coup de lancer une mise à jour de la distrib au démarrage avec Cloud Init? En fait, ça prend du temps, en fait, tout ce genre de choses-là. Donc je pense que ça vaudra le coup de lancer ce genre de choses-là, peut-être plus tard. Quand par exemple, on serait en train de faire de la conf Ansible. Alors, il n'y a toujours rien, lui? Ah, si. Ah, non.
Non, toujours rien. Oh, étonnant. Oui, parce que s'il n'a pas créé l'utilisateur NIMS, je peux pas me le connecter dessus. Donc là, a priori, lui, il a fini. Voilà, lui, il a fini. Mais là, le ISP1, alors le ISP1 VPS1, là, il m'inquiète un peu. Il m'inquiète un peu beaucoup. Il m'inquiète un peu beaucoup là. Pourquoi il veut pas le... Est-ce que je me serais trompé dans le mot de passe par hasard? J'ai bien password. Et ensuite j'ai la clé. Alors est-ce que la clé SSH fait que... Bah non. Non, puisque le DNS, normalement, je lui ai dit, utilise la clé SSH. Oui. Alors, je pense que tout le reste a fini de popper, là. Ouais, ça se voit. Tout le reste a plus ou moins fini de popper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais justement détruire le VPS, là, celui-là. Hop, allez, delete. Ouais, on efface tout. Ouais, bon, il a pas tout effacé, c'est pas grave. On va revenir là. Et ce qu'on va lui dire, c'est au fait, réapplique-moi le truc. Et il va dire, au fait, il manque le VPS1. Voilà, hop. Et hop, running. Alors, on va pouvoir aller voir ce qui se passe. Je suspecte que ce soit ce qu'on pourrait appeler. Ah, bah voilà. Unicode. D'accord, en gros, il a pas aimé la clé privée, en fait. Failed loading YAML blob. Ok. Ok, d'accord. Bon. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va aller gentiment demander sur l'internet mondial et convivial. YAML. Escape character. Parce que j'ai un doute. Est-ce que c'est de l'anti-slash ou est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut quoter? Alors. Ah, pourtant j'ai fait... Ah, faudra peut-être que je rajoute des... Alors, côté d'escape. Alors, script, echo. Checkout. Ok, run. Learn by example. Alors, escape character in YAML, ouais. Donc quand il fait son script, là... Pourtant, voilà, il y a un tiret C, là. Ah, est-ce qu'il faudrait que je mette en double quote ou en simple quote?
On va essayer avec des doubles côtes, hein, on va bien voir. Hop. Et puisqu'on est toujours là, on va pas s'embêter la vie, hein, on va refaire la même que tout à l'heure. Hein. On va détruire la VM et puis on va juste réappliquer le state Terraform qui va dire, au fait, il y a juste une seule chose à repoper. Hop. Voilà. Côté aussi très pratique de Terraform, hein, si on détruit nous-mêmes juste une partie de la plateforme, il va juste ramener cette partie-là. Alors, est-ce que cette fois-ci, on va avoir des erreurs? Non? Ah bah oui. Si, si, on les a toujours. Il est toujours pas content. Could not find expected 2 points. Oui, bah oui. Alors, à la limite, ce que je vais faire, je vais tenter un truc vraiment moche. C'est que ça, c'est juste du commentaire, en fait, au niveau OpenSSH. Donc, ma deuxième possibilité, c'est on enlève les caractères qui servent à rien. A priori, il y a des slash. Il n'y a pas de deux points. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Donc là, il me l'a encore. Hop. Mise à moitié comme je veux. Donc, hop. On détruit, encore une fois. Hop, et on la recrée. Magie. J'ai un peu l'impression que c'est limite, vous savez, un toon. Vous lui tapez sur la tête, il voit des étoiles, puis après il se relève. Et il est toujours pas content. Il est toujours pas content. Could not find expected in Unicode string. Pourquoi il cherche un 2 points? J'ai bien content 2 points. Ah, est-ce qu'il faudrait pas? Ah oui, d'accord, je crois que j'ai compris. En fait, hey, merci beaucoup pour le follow Benur. Merci beaucoup à toi. Hop là. Hey, salut à toi, Jonathan. Oh bah bien sûr, tout le monde va bien ici. Alors, en gros, si je ramène ça ici. Voilà, je pense qu'en fait, il me manque de l'indentation. Hop. On va indenter. C'est cool de te revoir, Jonathan. Voli volou. Allez, c'est reparti. On détruit et on repop. Hop là. Alors, voyons voir ce que ça donne. Merci Manon pour avoir offert un sub à Jonathan. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ce serait pas ça? Si, ça a l'air d'être ça, hein. Hop, allons-y. Manon, principale contributrice en sub de la chaîne. Encore merci à toi, Manon. Oui, c'est ça. Il pourra revoir tous les lives en replay. Et il y a un 0-0 surface dimanche soir. Oui, alors effectivement, j'espère qu'on va s'amuser un peu plus avec les conteneurs dimanche soir. On m'a filé un petit lien intéressant. J'en dis pas plus, je tease un peu. Enfin non, je bois pas, je fais du teasing. Je vous encourage à venir dimanche. 18h pour le stream sur les conteneurs et Podman actuellement. SSH OSKI, oui ça c'est la OSKI fingerprint.
Et d'ailleurs, Manon, enfin, Jonathan, grâce à Manon, normalement, tu as les emojis qui sont débloqués. Les petits emojis moutons, faits avec talent par Studio Cyanotype. Alors, Manon, en ce moment, tu essayes de comprendre comment utiliser Docker dans tes pipelines CI/CD avec GitLab. Je dois avouer que c'est un peu... c'est encore un peu de la magie noire pour moi, mais j'aimerais comprendre à l'occasion aussi. Alors... Est-ce que du coup, il m'a créé l'utilisateur ? Avec Maven Java, ah ouais, carrément. Ah, tu vas... Je t'avoue que j'ai... Du peu que j'ai vu du Maven, ça m'a pas extrêmement emballé. Enfin, ça a l'air super puissant. Hein. Ça a l'air de faire plein de choses. Mais moi, il y a des fois, je suis resté assez root sur certains sujets. En fait, la dernière fois que j'avais vu du Maven, c'est que la personne utilisait du Maven pour créer un package RPM. Et en fait, alors je sais pas si c'est le cas maintenant avec Maven, ou si ça l'était déjà, mais sauf que je voyais pas comment faire. La personne arrivait à générer un package RPM, mais le package entre guillemets binaire. Bon, en l'occurrence, c'était des scripts, donc le source RPM, il avait pas peut-être non plus énormément de valeur. Mais remarque, le truc qui m'intéressait dans ce cas de figure là, c'était justement de récupérer le point spec, qui est donc le fichier de définition qui permet de créer un package RPM. Tiens, Jonathan qui teste les emojis, ça c'est cool. Amusez-vous bien avec les emojis. Franchement, moi ça me plaît de les voir à chaque fois. Alors, maintenant question à la con, si je fais un petit ls-hla, on a un point SSH, ok. Et on a ID ED2519. Donc si je fais un SSH 10.1.0.53. Permission denied. Ah. Error in lib crypto. Ah bon. Ok, il y est. Alors est-ce que ce serait parce que j'ai... Alors ce qu'on va faire, on va faire ça moche. ID homelab, hop. Encore une fois, hop. Pas de soucis, c'est du lab. Hop, on va faire un petit cat dans .ssh. ID ED25519. Hop, voilà. Et on le refait, SSH. Ouais, je suis dessus. Donc c'est juste le format en fait. Ok. D'ailleurs, je suis curieux. Il m'a bien mis ça en no such failure. What? Authorized keys. Ah oui, c'est parce que je suis dans le DNS. Hein. Ok. Ok, 8 lignes. D'accord. Donc à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais retracher encore la machine pour le principe. Et on va faire ça. On va récupérer celui-ci. Hop. Et on va voir si ça nous balance encore des erreurs. Donc ici, a priori, il faut que je rajoute ça. Je pense qu'il va quand même hurler. Enfin, j'aimerais qu'il n'hurle pas. Et que ça, ce soit classe, et que ça marche. Hop. Et on va... là, je l'ai quitté. Donc, ici, Alors, avant de refaire un apply, je vais à nouveau le détruire. Hop là. ISP1, VPS1. Ouais. Hop là. Et alors, donc, Manon qui dit « Maven, c'est bien quand c'est pour faire du Java. Pour le reste, tu bottes en touche. » Je comprends. Il n'y a pas de souci.
Mais je pense surtout que la personne en question qui m'avait fait un package RPM avec Maven, c'est qu'en fait il utilise Maven pour tout, c'est tout. Tout comme moi j'ai tendance parfois à utiliser Make pour pas mal de choses. Alors, est-ce que j'ai... Oups. Est-ce qu'il me l'a créé ou pas? Du coup, j'ai pas vu. J'arrive peut-être un peu tard sur le truc. Ok, je suis dessus. J'ai un point SSH. Et il m'a pas encore mis la clé privée. Alors la question, c'est est-ce qu'il l'a mise? Ou est-ce qu'il a... Ou est-ce qu'il a tout cassé? En sachant qu'il va la mettre normalement à la fin. Clone, auto-inski, ok. Pourquoi il dit Nilsat Home Lab? Ouais, bon, ça il l'a mise. Cool. Ok, ça y est, j'ai la clé. Alors maintenant, si je fais un SSH 10.1.0.53. Et ça passe, super. Donc il a pas chouiné et j'ai pu m'y connecter. Donc ça c'est très cool. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire ça. Et on va pouvoir lui dire, eh, au fait, si je fais rpm-q, on a dit lsof, puisque ça fait partie des packages de base installés. Ouais, c'est installé. Si je vais chercher sur le 2053, ouais, c'est installé. Et si je vais chercher sur le 10.6.0. 101. Ok, il y est. 10.5. Package is not installed. Ah, donc là, on a le 10, on a le 5. Le ISP 5 VPS 1 qui aura peut-être démarré trop vite. Alors, ce que je me dis, c'est que dans le cas du ISP 5, hop, ISP5 compute. L'ISP5 pourtant, ah oui, il attend l'ISP1 DNS1, sauf que si je reprends mon petit schéma ici, l'ISP5 il est là et il va démarrer en même temps que l'ISP6 en fait. Et remarque, ces deux là ils démarrent en même temps. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un délai. Je vais faire en sorte que il y a un délai pour ISP6 et ISP3. Et en fait, ISP5 va dépendre d'ISP6 et ISP4 va dépendre d'ISP3. Comme ça. Parce que de toute façon, ISP6. Si je vais chercher le routeur, il attend le DNS1. Donc en gros, à partir du moment où il attend que lui soit là pour démarrer, en fait, lui, quand il démarre, normalement, tout ça, c'est up. Enfin, il y a ça qui n'est pas up, mais ça, c'est pas grave. Il y a ça qui n'est pas up, mais ça, c'est pas grave. Il y a au moins ça qui est up. Et donc, on est bon. Et en fait, ce que je me dis, c'est que si je crée une ressource... Alors... Wait for ISP6 router. Hein, voilà. Donc à la limite, ce que je peux faire, c'est prendre ça. Et aller sur router 5. Et dire au router 5, au fait, attends plutôt carrément que ce soit le router 6, enfin le router 1 de l'ISP6 qui démarre. Et on va aller faire pareil sur l'ISP 4. Et on va aller dire ISP 3 router 1. Voilà. Et normalement, le ISP 1 router 3, oui, il attend le DNS numéro 2.
Donc normalement, ça devrait être un petit peu plus tranquillou. Et comme de toute façon, les VPS attendent leur propre routeur, ça devrait être mieux. Ça devrait être mieux. Le 4, ouais, package is not installed. Je suis pas surpris. Le 3, à mon avis, ça doit être bon. Ouais, voilà. 101. 101, 102. Le 102, c'est bon. Et le 103. C'est bon aussi. Voilà, ça va beaucoup plus vite quand on a une clé SSH. Et du coup, ça préfigure un peu, parce que là, c'est quand même... Enfin, ça va plus vite, mais ça reste relativement fastidieux de lancer toutes ces commandes SSH. Et j'ai d'ailleurs pas vérifié l'état des routes BGP sur les routeurs, même si, bon, globalement, on a vu que ça fonctionnait. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir aussi rajouter cette clé SSH sur les routeurs, de façon à pouvoir faciliter les communications depuis voilà, depuis ce VPS-là, qui va en quelque sorte orchestrer tout le home lab. Et le mot orchestrer n'est pas choisi à la légère. Pourquoi? Parce que c'est sur celui-là qu'on va ensuite installer Ansible pour justement rajouter plus de configuration sur nos machines. Puisque là, on va avoir juste une config de base, en fait. Ce qu'on va faire du coup pour le moment, c'est qu'on va revenir ici. On va faire un petit, entre guillemets, une petite pause commit. Donc déjà, je vais commencer par sauvegarder ça. Et on va faire un petit git commit. Ouais, on va faire un gitad parce qu'on est gentil. Hop. Gitad de ça et git commit. Et on va lui dire. Doc, hop, schematics. Ouais, ch. Now, reflect. What is deployed? Et je rajoute VPS for ISP. 4, 5, 6, were missing. Et je push. Hop là. Pendant ce temps, Jonathan qui nous dit Terraform peut pas gérer les configurations comme Ansible. Je m'y connais pas trop en Terraform, d'où ma question. Pas de souci, pas de souci. Y a pas de, comme je dis souvent, la seule question bête ou idiote, c'est celle qu'on pose pas. Terraform, non, il n'est pas là pour gérer. Il n'est pas là pour gérer de la configuration sur des machines. Terraform, il est juste là pour déployer, entre guillemets, de l'infrastructure. Donc, il est là pour déployer des ressources de type compute, calcul, VM, quoi. De la ressource de type disque, de la ressource de type réseau, de la ressource, entre guillemets, bah, j'ai envie de dire, à partir du moment où tu gères l'enveloppe machine virtuelle, c'est-à-dire CPU, RAM, disque. D'une part, tu vas gérer un peu le stockage. Alors selon ce qu'on appelle les mince, les ah mince, j'ai mangé le nom. Dans hop, alors dans mon main.tf, voilà, les providers. Selon les providers que tu mets en place, tu vas gérer plus ou moins les ressources que ce provider peut mettre à ta disposition. Par exemple, on avait vu dans des streams avant le provider pour Google Cloud Platform. Et on pouvait gérer justement du stockage supplémentaire. On pouvait gérer on pouvait gérer de la VM. On peut aussi, alors je ne l'ai pas fait quand j'avais fait du GCP, mais on peut aussi avoir d'autres types de services qui sont proposés par le fournisseur de cloud. Typiquement, tu as du stockage bloc, enfin du stockage objet type S3, qui peut être géré par Terraform. Mais Terraform ne gère pas vraiment, en tout cas il ne gère pas bien l'intérieur d'une VM. Je peux même te montrer d'ailleurs, si je reviens dans le repo, il est ouf, bah, c'était celui-là, hop, qui avait un nom tout bizarroïde, mais qui est marrant, Jubilant Octotribal. Donc j'avais fait un petit peu d'Ansible,
Mais avant, en fait, si je regarde mon répertoire Terraform, j'avais un petit script. Je peux te montrer ça dans le... est-ce que c'est dans le main.tf? Ça va être dans le main.tf. Hop là. Et dans le main.tf... Alors attends, je vais faire... Parce que je sais que j'ai trifouillé des trucs. Ouais. J'ai trifouillé des trucs et... Ah, d'accord, j'avais mis en commentaire justement ce que je voulais te montrer. C'est le truc qui s'appelle Provisioner Remote Exec, où en gros, Terraform peut envoyer un script sur une machine et l'exécuter, mais ce n'est pas... ça vient casser quelque part le principe de... l'un des principes de Terraform et de pas mal de ces outils justement comme Terraform, comme Ansible, qui est de dire ne va pas décrire ce que tu veux comme action, mais va décrire ce que tu veux comme état. Et typiquement ça, c'est de l'action en fait. Et ce fait de dire je veux un état et pas une action, c'est ce qu'on appelle l'idempotence. Pour pouvoir justement, en fait, c'est à Terraform ou à Ansible de dire, eh ben, il y a déjà, je sais pas moi, tel package installé, donc c'est pas la peine que j'aille l'installer, par exemple. Voilà, voilà. Eh ben, à ton service. Hop. Toujours est-il que nous en étions à notre petite séance de git commit. Alors, donc déjà, j'ai commité le truc. Ça va être toutes les clés. Hop là. Et si je fais un git diff à ce niveau-là. On va faire un petit. Alors. Bah à ton service à nouveau. Alors, git add. On va faire Terraform étoile. Hein. Hop. Hop. Maintenant qui dit htop. Hop là. Oui, htop est un excellent logiciel. Alors. D'ailleurs, en parlant de htop, je suis à 93% de RAM occupé, mais les CPU se sont calmés. Donc c'est vraiment au moment du pop en fait des VM que ça vient carburer en fait. J'espère que vous n'avez pas eu de lag d'ailleurs sur le stream. Je monitor aussi la charge sur la carte graphique et pour l'instant je suis à moins de 50% d'utilisation du GPU. Ça va, ça va. Au boulot, ça tourne à 93% de RAM occupé en permanence. Ouch, ouch. Cherche à réduire comme on peut. Ah, je sais pas si c'est forcément. Ah, vous n'avez pas le droit à plus de RAM. Ça dépend du type de machine, mais après, tu peux agir sur plusieurs choses. Ça dépend aussi ce que tu cherches à obtenir. Mais comment dire, est-ce que c'est est-ce que c'est juste, tu as, je sais pas moi, je dis un truc un peu bête, sur un serveur virtuel, tu as 8 gigs de RAM et le truc, il en utilise 7 et quelques. Et tu peux pas, comment dire, est-ce que c'est parce qu'il y a des logiciels qui prennent trop de RAM? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de... comment dire, est-ce qu'il n'y a pas de vérification comment dire, au niveau des logiciels que la mémoire devrait être libérée. Puisque tu parlais de Java, je suppose que le garbage collector doit régulièrement passer. Est-ce qu'il faudrait qu'il soit plus agressif? Ce genre de choses-là. Alors, je sais pas si tout le monde est un peu familier avec, 10 Go, Tomcat, GitLab, MariaDB. Oh là là! Sur la même VM, vous avez Tomcat, GitLab, MariaDB? Chaud. Ah ouais, chaud. Chaud. J'en étais où moi à la base? Ouais, j'essayais de commit. Et en gros... Rires.
On a déjà réduit le poids de GitLab pour gagner pour les deux autres. Ouais, choqué, ouais, bah j'avoue que... alors je suis assez... je suis peut-être pas forcément très... enfin, comment dire, je suis peut-être un peu rigide sur ce sujet, mais c'est vrai que avoir à la fois Tomcat, GitLab, MariaDB sur la même machine, ouais, ça fait... C'est pas une question que ça fait... C'est pas seulement une question de ressources, c'est aussi que on a régulièrement... Enfin, régulièrement. L'une des recommandations qu'on a d'un point de vue sécu, c'est justement d'avoir, entre guillemets, un rôle par machine. Je sais, on va bientôt se séparer, vous inquiétez pas. Bon, ben, je m'inquiète pas, Manon, je te fais confiance. Après, voilà, je sais pas si c'est un serveur physique, mais oui, dans ce cas-là, si c'est un serveur physique, peut-être que tu peux mettre des VM, et si c'est un serveur virtuel, c'est vrai que demander deux autres serveurs virtuels, quitte à ce qu'ils soient plus légers, ça pourrait être sur le plan sécu. Ou alors faire des conteneurs. Même si c'est pas la panacée non plus. C'est pas parfait. Alors, pendant ce temps, je voulais faire mon petit commit de la partie Terraform, où en gros, reorganize. Faire rearrange. Boot. C'est une VM de VM plus légère. Ouais, c'est déjà pas mal. Rearrange boot. Boot order and wait times. This aims at. This allows the VPS to boot later and to be able to access DNS servers and the internet. Hop. Ensuite, il nous reste tout ce petit monde. Alors, pourquoi j'ai pas... Ah oui, c'est parce que j'ai juste le guide. Donc, il m'a juste mis ça. Ok. Donc, tout ça, normalement, c'est juste les... Il y a juste un qui a la private key. Et ça, c'est normal. Et les... ah oui, les... bon. Hop. Voilà. Hop, puis ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va RM ça. De toute façon, on a les infos. Hop, voilà. Et ben c'est propre. Voilà, voilou. Ça, c'est plutôt cool. On va se faire un dernier. Hop. Alors. On va se faire une dernière
tout détruire et tout repop. Ah, il y avait une erreur. Alors, wait for ISP3 router 1 has not been declared. Ah, oups. Eh ben, on va corriger ça. Alors, c'était quoi le truc dans ISP3 router 1? Hop là. ISP3 compute, ISP3 router 1. Donc, j'ai peut-être pas créé la ressource. Eh ben, c'est pas grave. Ah oui, attends, il est là. Dependence. Ah oui, ISP3. Ah oui, c'est lui, en fait. Et donc, on disait wait for. Hop. Hop. Alors, dans ISP3, il y a encore des slips 60 secondes. Ah. Alors, hop, encore un ici. Ok, on est bon. Ok. Salut à toi, Mobitatam, bienvenue. Où en étais-je moi? Ouais, je voulais juste commiter ça avant. Destroy. Et on va réapply pour normalement la dernière fois ce soir. On va espérer que ça se passe bien. Déjà le destroy est passé. Plutôt bon signe. Hop, alors, pouvoir me mettre tout de suite ici. Alors non, pas le VPS. Le DNS, il va peut-être pas tarder. On va regarder ça. Donc là, on a le routeur. On a les deux routeurs qui pop. Ça, c'est cool. C'est très cool. Et normalement, dans une minute ou deux... Enfin, je dis dans une minute ou deux, non. Techniquement, je crois que c'est 90 secondes, c'est ça. Si j'ai bien 75 secondes après le routeur de l'ISP2 et 90 après le routeur de l'ISP1. Si je reprends mes fichiers ici. Voilà, c'est ça. On attend 90 secondes pour l'ISP1 et on attend 75 secondes. Et pour le moment... Ah, c'est marrant, hein, quand je détruis tout. 41% de RAM utilisé, ça va, tranquille. Alors, ça démarre tranquillement. On peut même regarder ça. Hop, pouf, booting. Ah oui, en serial console, hop là. Je peux aller ici, je peux aller... Hop, voilà, il est encore en train de... Voilà, c'est surtout ça qu'il attend, en fait. Et c'est pour ça qu'on fait attendre autant. 5. Donc là, 1 minute 10. Et bam. Et donc, tiens, j'ai l'ISP1, l'ISP2. Ok.
Hop. Donc lui, il commence à arriver. C'est cool. Et ensuite, lui, il n'est pas encore. Donc on va attendre que le ISP1, VPS1 arrive. Et ça devrait... Ah, on commence à avoir les routeurs des autres ISP là, donc le VPS1 va pas tarder. On y croit, hein. On est optimiste. D'ailleurs, je ferai peut-être mieux, ce sera peut-être plus, si je fais un sudo virsh list ici. Ça y est, on a l'ISP1 VPS1. Hop, voilà. Ça y est, il démarre. Alors. Alors, il faudrait que je vois. Ça pourrait être un exercice intéressant. Si je peux pas inclure un fichier au niveau de Cloud Init, par exemple. Parce que si je peux inclure un fichier, ce que je peux faire, c'est au lieu de inclure un, au lieu de coller la clé privée SSH et les clés publiques, je peux dire hey, au fait, prends tel fichier, inclus-le dans le Cloud Init. Et dans ce cas-là, je pourrais proposer dans un emplacement à côté des fichiers Cloud Init. Un petit make file qui dirait hey, au fait génère-moi une paire de clés avec des noms fixes et comme ça ça permettrait à ce que chacun se crée sa propre clé. Ça pourrait être une idée si Cloud Init sait faire ça, j'ai un doute. Tiens, on va regarder ça pendant que ça démarre. Hop, est-ce que Cloud Init saurait faire? On avait la documentation qui est ici. Module référence. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un truc de genre import ou add set hostname, set password, SSH. This module handles most configuration SSH. Ouais, ok, c'est cool. Authorize key. Ouais, ok, ça on a... Ah, ça c'est pour configurer OpenSSH en fait. Ça c'est quoi? Config schéma. Ouais, c'est vraiment la partie. Ah, RSA private. Alors, il gère des clés SSH visiblement. Avec la privée et la publique. Ouais, mais c'est, du coup, c'est inclus dans le Cloud Init. Et en plus, ça a l'air d'être. Donc ça c'est pour mettre des OK, import ID. Ah ben voilà. Ah oui, mais alors c'est pour un. Et on peut pas faire un file. Merging user data section. Cloud config 1, cloud config 2. Built-in mergers. Oh. Ouais, non. Donc, a priori, il y a des choses pour gérer des clés SSH en provenance dans certains endroits. Mais ce serait un peu trop compliqué par rapport à notre besoin de faire des imports. Enfin, là, il y a un import user. Public key server. Usually launchpad or GitHub. Qui serveur que preprinting Azure LP for Launchpad or GH. Ah ouais. Ok. Bon. Alors, notre VPS là, il a l'air d'avoir bien tout récupéré. What? Ok. C'est juste que moi qui me suis trompé. J'ai un point SSH et dedans j'ai mon ID. Donc on va se connecter. Hop.
Lui, c'est bon. Alors, ce qu'on va même faire, c'est... Hop. On va même lui dire... Eh, au fait... RPM-Q, LSOF. Hop. Donc ça, c'est bon. Bah, le 101, c'est lui, donc ça sert pas grand-chose. 10, 2, 0, 53... Ça, c'est bon aussi. Ensuite, 10, 3, 0, 101. Ça, c'est bon. 102. Je dois se le vérifier tant qu'à faire. Hein. Ça, c'est cool. Ça passe. Ensuite. Ah, tiens. Toujours pas lui. Dommage. Dommage. Il aura décidément, décidément, il aura toujours, toujours un souci ou quoi? ISP4, VPS1, donc a priori, lui, toujours, toujours trop vite. Ok. Est-ce que le 5, ça va passer? Ah, le 5, pareil, il a un petit souci. Et le 6. Et le 6, c'est bon. Donc a priori, ce serait encore trop tôt. Pour ISP5 et ISP4. Bon, c'est pas dramatique. On va, je pense qu'il suffira de peut-être éventuellement allonger certains temps et de s'assurer ensuite que ça fonctionne. Je pense qu'on pourra faire ça en début de session jeudi prochain. Et puis si ça se trouve, on pourra peut-être commencer à faire des trucs sympas avec Ansible peut-être. Ça pourrait être pas mal de commencer à créer première arborescence, parce que là, globalement, on a déjà des premières bases assez pratiques. Bien, 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 bien. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On va pouvoir conclure pour ce soir. Alors, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis content, ça a quand même relativement bien avancé, même si, bon, c'est pas encore tout à fait ça sur ISP5, ISP4. Il n'empêche que, qu'on en voit le bout, et que une fois qu'on aura ça, bah, on va pouvoir commencer, on va pouvoir s'amuser aussi avec Ansible, comme ça, on va pouvoir un peu varier les outils. Parce que c'est vrai que là, ça fait beaucoup de Terraform et de Cloud Init ces derniers temps. Donc on va pouvoir créer un peu nos trucs custom, faire des sites web, se faire un faux YouTube, un faux... On espère que ça ira jusqu'au bout, bah oui, moi aussi. Par contre, tiens, oui, ce que j'ai pas forcément vu, parce que là, pour l'instant, on est vraiment sur la base du Home Lab, c'est que pour le moment, j'espérais aussi pouvoir mettre des firewalls, et on espère bientôt le bout du tunnel SSH. Magnifique, magnifique, Manon. Toujours aussi doué. Donc je disais que c'est vrai qu'on n'a pas encore rajouté forcément beaucoup de choses. Donc on va peut-être pouvoir créer des firewalls pour avoir des réseaux d'entreprise ou des petits simili-box pour des... Tu n'as pas vu? Ah oui, Isper! Oui! Ah oui, pas mal! Effectivement! Ah oui! J'avais cru à une typo et puis en fait non. Non, non. Bien vu, deuxième clap-clap pour Manon. Bravo! Donc il y aura peut-être faire quelques ajouts, mais je pense que par exemple pour les trois VPS, ce sera déjà intéressant de commencer à appliquer des playbooks Ansible, voire même sur les DNS aussi, pour pouvoir justement créer des noms d'hôtes customisés. Et comme ça, on pourra ensuite rajouter, pourquoi pas des faux clients ADSL ou fibre ou corporate. Ouais, beau programme. Bah, en gros, Manon, je crois que tu étais déjà là sur l'ancien Home Lab. Le principe, justement, du firewall avec une zone pour des postes de travail, une zone pour des serveurs, un peu DMZ. Ça, j'aimerais bien le recréer aussi. Ça peut être intéressant. Comme ça, il y aurait un peu de tout pour le lab.
Bien, bien, bien. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère, comme toujours, que ça vous a plu. Avant que je vous laisse, comme d'habitude, petit rappel sur les streams. Donc, je stream les jeudis de 20h à 22h et je stream les dimanches de 18h à 20h. Les streams des jeudis sont donc cons. Comment dire? Sont donc cons. Non. Ils sont pas cons, déjà d'une, mais ils sont sur la thématique du labo Ascode. Donc voilà, c'est du Terraform, du Cloud Init, bientôt de l'Ansible. C'est les jeudis. Et en fait, les dimanches, en ce moment, c'est pas mal de découvertes autour des conteneurs, et en ce moment, pas mal de Podman. Et j'espère, par exemple, dimanche dernier, enfin pas dimanche, alors dimanche. Il n'y avait pas de stream, exceptionnellement. Je l'avais décalé à lundi. Et donc, lundi, on avait fait du Podman Compose. Ou en gros, du Docker Compose. Donc voilà, plein de découvertes comme ça sur les conteneurs. Voir comment ça fonctionne. Comment on interagit avec des conteneurs. Comment on peut faire en sorte que ça fonctionne. On se bat pas mal avec les permissions. Parce que bizarrement, quand certains conteneurs sont mis en utilisateur, on n'a pas les mêmes choses qu'en tant que root. C'est pas évident, mais c'est intéressant à voir. Voili voilou. De toute façon, si jamais vous voulez communiquer ensemble entre deux streams, il n'y a pas de souci. Toutes les informations sont là-dessous. Il y a le Discord, il y a les réseaux sociaux. Vous pouvez faire aussi point d'exclamation socials. Tiens, j'aurais dû le dire en début de stream, ça aussi, pour retrouver tous mes points de contact, avec notamment. Ma page d'accueil, mon blog et les liens vers les réseaux sociaux et le Discord sur lequel on peut discuter entre les streams. Voili voilou. Avant de vous quitter, j'ai cru voir que le sieur Rancune a l'air de continuer ses aventures des jeudis soirs et je vous propose qu'on aille lui rendre une petite visite. Ouais, il est là. Ils sont une vingtaine, donc ce que je vous propose, eh ben, c'est qu'on aille le voir pour finir cette soirée. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche ou jeudi prochain. D'ici là, amusez-vous bien. Ciao! Allez, on démarre le raid. A plus!